Coucou, moi c'est Marion de Green Martha, je suis artisan d'art, costumière, corsetière, artiste, et aujourd'hui on va faire ce corset. Et malgré des années de création de costumes historiques, je ne m'étais encore jamais attaquée au corset empire. J'ai eu pendant très longtemps peur du confort du busque en bois au milieu devant. Et en fait, c'est super confortable. J'avais fait quelques essais de toile en 2019. J'avais une bonne base, mais il me restait encore pas mal de travail au niveau du patron. Finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris un patron tout près, le patron de Laughing Moon. J'ai eu des bonnes expériences par le passé avec cette marque de patron, c'est avec eux que j'ai fait mon premier corset victorien. Les reviews que j'avais vues étaient positives, donc je me suis lancée bille en tête, sans toile. Non, en vrai, ça s'est super bien passé. Mon thé est trop chaud. Je peux pas le boire tout de suite. J'ai choisi comme tissu une toile blanche assez épaisse. C'est quelque chose que j'avais en stock depuis très longtemps. Du coup, je ne sais plus ni d'où elle vient, ni exactement en quoi elle est. C'est soit du coton, soit du lin, soit du métis. Je crois que je l'avais acheté pour faire une nappe que je voulais broder au point de croix à une époque où j'avais des velléités de broderie. Je vais la travailler en double épaisseur parce que entre les deux épaisseurs je vais mettre du cordé et aussi quelques baleines. J'ai choisi de ne pas partir sur du coutil. Les pièces anciennes que j'ai regardées ont l'air d'être plutôt sur des armures toiles que sur des armures sergées de toute façon. Et je voulais rester sur quelque chose qui soit assez léger, stable, tout en restant confortable. Je n'ai pas suivi le plan de coupe du patron. De façon générale, je n'ai pas trop suivi les indications du patron. J'ai utilisé les pièces et ensuite j'ai quand même fait un petit peu à ma sauce. C'était quand même très reposant d'avoir des pièces toutes prêtes avec les valeurs de couture qui étaient incluses. Les patrons Laughing Moon, de façon générale, je les ai toujours trouvés très précis, très clairs, très agréables à utiliser. J'ai acheté le mien au format PDF et j'ai imprimé le format A0, ou plutôt je l'ai fait imprimer chez un tireur de plans. Au final, c'est moins cher que de me faire envoyer depuis les États-Unis le patron papier avec les frais de port. Et par contre, j'avais pas du tout envie de passer des heures à coller les feuilles A4 que j'aurais imprimées sur ma petite imprimante. C'est beaucoup plus simple comme ça. En plus, j'ai un tireur de plans qui est pas loin du tout, c'est à 5 minutes de chez moi. J'ai commencé l'assemblage par l'insertion des goussets. Je les ai épinglés, puis faufilés, donc les deux épaisseurs ensemble. J'aurais pu faire ça à la machine, sans doute, mais c'était aussi simple. Là, ça bougeait un petit peu moins, et ma chaise était plus confortable. J'ai marqué mes lignes de couture en pointillé au crayon. J'aurais sans doute mieux fait d'utiliser du friction qui s'efface parce qu'il y a quelques endroits où si on regarde de près mes goussets, on voit encore un peu la ligne de couture. J'ai bâti chaque côté de la fente avant d'y insérer le gousset. Ça permet de stabiliser le tissu avant de découper dedans la fente. J'ai coupé jusqu'au bout, replié les bords. Un des gros avantages du tissu que j'ai choisi pour ce corset, c'est que je pouvais marquer les plis très facilement, aussi bien au fer que juste à l'ongle en appuyant. Ensuite, on épingle le gousset en place, j'ai bâti, et bien sûr, il faut répéter l'opération autant de fois qu'il y a deux goussets. Autrement dit, pas mal. J'ai piqué à la machine
à 1 petit millimètre du bord du gousset en faisant un point d'arrêt au niveau de la pointe. Ensuite, j'ai répété le même travail de fendre la pièce de tissu et marquer le pli sur la pièce qui fera la doublure, la pièce intérieure du corset. Puis, j'ai aligné avec l'extérieur, épinglé en place. C'était un petit peu plus délicat parce qu'il fallait bien aligner les deux épaisseurs extérieures. Là aussi, j'ai aussi bâti tout le pourtour des pièces pour que les deux épaisseurs soient bien fixées ensemble. J'ai beaucoup bâti sur ce projet plutôt que épingler les pièces ensemble. Ça s'est avéré être plutôt une bonne intuition parce que c'est un projet que j'ai fait sur plusieurs mois. Donc, au moins avec le bâti, ça n'a pas bougé, c'est resté en place. Alors que les épingles, quand on déplace le projet d'une pile à l'autre, des fois, ça peut se perdre. Et ensuite, j'ai répété exactement la même procédure pour les goussets des hanches. Le patron Loafing Moon, c'est un patron très simple. Il y a trois pièces pour le corps auxquelles on ajoute les goussets et les bretelles. J'ai assemblé les deux pièces du dos pour les travailler ensemble. Et c'est là qu'on insère une petite séquence pour vous rappeler l'importance de repasser vos coutures. L'extérieur et l'intérieur du corset, la doublure si vous voulez, même si c'est le même tissu au final. Je les ai assemblés au niveau du milieu dos. J'ai repassé, fixé le pli au fer. Et fait une ligne de piqûre à peu près une largeur de baleine du bord. Je vais mettre une baleine avant le lassage. Pour le busque, j'ai pris un busque en bois que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai le lien, mais je ne sais pas si la boutique est ouverte en ce moment. On en trouve différents. Moi, j'ai pris celui-là parce qu'il avait une petite forme de cœur en haut, comme un certain nombre d'exemples anciens. J'ai décidé de me faire plaisir en lui faisant une jolie décoration que j'ai pyrogravée. J'ai fait un article plus détaillé sur mon blog où je vous parle des motifs que j'ai choisis, de pourquoi j'ai utilisé cette méthode. Là encore, vous avez le lien en dessous dans la description. J'ai fait le dessin du motif au crayon à papier, tout simplement, puis je l'ai gravé avec une pointe fine. Finalement, le travail était assez proche du crayon avec cet outil-là. C'est pas quelque chose avec quoi je suis particulièrement familière, mais c'était pas plus difficile que ça. J'ai fait un essayage du corset avant de commencer la pose du cordé, parce que je savais que le cordé, ça allait être un gros morceau, et je voulais être à peu près sûre que la forme était globalement correcte. J'en ai profité pour marquer le point d'attache des bretelles sur la pièce de devant du corset. Dans l'ensemble, c'était bien, il y avait une seule chose à corriger, j'avais trop de place au niveau des goussets de poitrine. J'ai épinglé une grande pince sur le gousset extérieur, mais j'ai préféré répartir la quantité de tissu à enlever de façon égale sur les deux goussets. Du coup, on défait et on refait les coutures.
Pendant l'essayage, j'ai vérifié que je n'avais pas de zone qui était trop large, mais pas non plus de zone qui était trop serrée. Le corset fermait à peu près dans le dos. Je voulais pas être trop serrée, je voulais être maintenue, et je savais, et le patron le précise bien d'ailleurs, que avec le cordé, le corset allait rétrécir un petit peu. Le raisonnement que j'ai tenu, du coup, c'est si maintenant ça ferme à peu près, ça va rétrécir un petit peu, j'aurai un peu de marge à la fois pour pouvoir lasser et pour le tissu qui va forcément s'étirer un petit peu quand je vais le porter. J'ai fait ça un petit peu au son du nez, mais dans l'ensemble, mes calculs se sont révélés plutôt justes. Au niveau du motif du cordé, je n'ai pas suivi le patron. J'avais envie de faire un petit peu à ma sauce, de me faire plaisir et de me lâcher créativement là-dessus. J'ai compulsé pas mal de pièces anciennes et on voit une certaine logique qui se dégage. Le cordé sert à tendre le tissu, donc ça veut dire déjà qu'on va pas laisser de grands espaces sans rien, parce que sinon ce serait des zones où on aurait des plis. On va avoir les goussets qui vont être bien renforcés avec un cordé en V dessus. On va aussi avoir une bande sous-poitrine qui va être renforcée horizontalement pour faire comme la partie bandeau d'un soutien-gorge au final, c'est la même mécanique. Et on a aussi un cordé assez dense en général sur le côté de la poitrine et sous le bras pour bien maintenir la poitrine sur le côté et éviter que ça déborde. J'ai tracé mon motif aux frictions, ça me permet, s'il y a des erreurs, de les corriger facilement, et après, avec un coup de fer, ça disparaît. J'ai créé mon motif de cordé séparément sur les pièces du devant et les pièces du dos. C'était plus facile de les manipuler et de faire le dessin à ce moment-là quand elles étaient encore séparées. Et maintenant, il faut piquer tout ça et j'ai utilisé pas mal de fil, mine de rien. J'ai choisi de faire mon piqué et d'ailleurs tout ce corset à la machine. Je sais que historiquement ce genre de corset serait été fait à la main vu que la machine à coudre n'existait pas encore à l'époque. Mais je fais en fonction du temps et de l'énergie dont je dispose. Et je préfère passer moins de temps là-dessus et faire d'autres projets en plus. Ce qui m'a pris d'ailleurs beaucoup de temps, c'est les petits croisillons en carré. C'est plein de tout petits carrés qu'il a fallu piquer. Je crois que c'était la partie qui m'a pris le plus de temps sur tout le motif du cordet. J'ai laissé les fils à l'extrémité des coutures et ensuite j'ai coupé tous les fils d'un coup, là encore, pour accélérer un petit peu le travail. Et ensuite, il a fallu insérer le cordé lui-même. Pour ce corset, j'ai utilisé un coton pour boutisse. Je voulais essayer de trouver quelque chose qui résiste à l'eau, contrairement aux ficelles de papier que j'ai utilisées dans des corsets victoriens. Celui-là m'a semblé pas mal, il avait l'avantage que je pouvais le trouver localement, je savais que je pouvais retrouver quelque chose de semblable dans ma mercerie. À l'usage, j'ai trouvé qu'il avait un autre avantage, c'est qu'il avait une certaine élasticité, il se laissait comprimer en largeur, du coup il était assez facile à insérer dans le corset, et ensuite il remplissait bien l'espace du petit casier que j'avais ménagé. Pour l'insertion par contre, j'ai repris la même grande aiguille à matelas où j'avais limé le bout que je vous ai déjà montré dans mon corset victorien bleu. Alors bien sûr, j'avais fait quelques tests avant, je ne me suis pas lancée bille en tête
comme ça dans le cordé directement sur le corset. J'avais vérifié la largeur dont j'avais besoin pour faire passer chaque mèche pour que ça rentre bien. D'ailleurs, c'est le genre d'information que je garde dans mes classeurs de notes. Quelle largeur j'ai utilisée, quel matériau j'ai utilisé, les petits détails techniques pour pouvoir refaire ça. Si je dois refaire un autre corset, je n'aurai pas besoin de refaire ces échantillons. La question qui se posait, c'est est-ce que ma technique allait marcher sur les courbes ? Et la réponse est oui. Alors pour le moment, c'est des petites vaguelettes, c'est pas des grands virages, mais ça marche. Sur ce cordet, la mèche de coton ne ressort pas toujours à l'extérieur du corset. Des fois, elle ressort au milieu d'un panneau. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est simplement que je fais traverser l'aiguille à travers le tissu sur l'intérieur du corset. Ensuite, je coupe à ras et en général, avec le port, en tirant un petit peu, la mèche de coton va re-rentrer, le trou va se refermer dans le tissu et on n'y verra que du feu. Petite précision, pour ce projet, je n'ai pas fait des tonnes de recherches pour faire quelque chose de parfaitement historique. J'avais envie de me faire surtout plaisir et d'avoir enfin ce corset empire qui manquait à ma garde-robe historique. C'est pas un projet qui a ambition à être de la reconstitution et je ne suis pas allée chercher précisément comment chaque étape aurait été faite. Je le ferai peut-être un jour. Juste pas maintenant. Et ensuite, je suis passée à la deuxième moitié. Pour tracer le symétrique, j'ai pris des repères, gardé le même angle de base. Puis ensuite, il y avait beaucoup de tracés, plein de traits parallèles, à la même distance les uns des autres. Pour pouvoir corder le dos jusqu'au bord, j'ai eu besoin de finir l'assemblage du corset. Pour l'extérieur, j'ai cousu en piquant endroit contre endroit de façon classique, puis j'ai ouvert, repassé ma couture, et l'autre épaisseur a ensuite été épinglée en place en repliant le bord cru entre les couches du corset. J'ai ensuite refait une ligne de piqûre à 1 mm de ce pli et j'ai repris mon cordet. Pour la plupart des lignes du cordet, j'ai marqué un seul côté du motif et l'autre ligne, c'était juste une piqûre en parallèle. Mais pour les petits carrés, j'ai vraiment eu besoin de marquer tous les traits précisément, sinon je me faisais juste trop de nœuds dans ma tête et je ne savais pas exactement où c'est qu'il fallait que je couse et où c'est qu'il fallait que je laisse un passage pour la mèche de coton. Ça paraît relativement clair là avec les traits de crayon en rose sur fond blanc, mais en cousant en blanc sur blanc, les fils avaient quand même beaucoup tendance à disparaître dans le tissu et ça n'aidait pas. Le pansement au pouce, ce n'est pas l'aiguille qui aurait ripé, mais plus banalement, une rencontre avec un couteau de cuisine en préparant le dîner. Pour les angles aigus dans le cordet, j'ai une technique un petit peu différente. Je fais sortir l'aiguille à la pointe de l'angle, je la fais sortir intégralement et ensuite je la fais rentrer exactement par le même point. Une fois qu'on tire la mèche de coton pour qu'elle soit bien tendue dans son petit casier, elle re-rentre à l'intérieur, les fibres du tissu peuvent se refermer sur le petit trou qui a été fait et on ne voit plus rien. Ça a été long.
Entre piquer toutes les lignes et insérer le cordé, je suis encore plus admirative des gens qui le faisaient ou qui le font encore pour la reconstitution entièrement à la main. Une fois que tout ça a été fait, il reste encore la dernière ligne droite, les finitions. J'ai fait les œillets à la main quand même, ça m'aurait vraiment visuellement dérangé d'avoir des œillets métalliques. Même si on trouve certains œillets en métal ou en os dans les années 1820-1830. Le lassage se fait encore en spirale. Pour faire ça, les œillets sont décalés entre les deux côtés. Un bon coup de fer m'a permis d'effacer tout le tracé du motif du cordé. J'avais aussi beaucoup manipulé le tissu entre la piqûre, l'insertion du cordé, donc ça permettait de bien remettre tout ça à plat avant de finir le corset. Ah oui, c'est aussi le moment où je me suis rappelé qu'il fallait rajouter les bretelles. Je les ai faites en double épaisseur comme le reste. J'ai commencé par fixer rapidement à la machine les deux épaisseurs, puis je les ai assemblé avec le reste du corset de la même façon que j'avais assemblé les pièces du dos et du devant. Le processus est peut-être un peu plus clair là pour les bretelles que pour la grande couture du côté. Pour border mes corsets, je n'utilise pas un biais mais en général des bandes dans le contre-fil. C'est plus stable. Avant de finir les bords, ceci dit, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques baleines à insérer. C'est très minimal, juste pour garder le tissu tendu sur le corps. Là-dessus, j'ai pas mal suivi le patron et un peu aussi les modèles anciens. Il y a des baleines sur le ventre, le long de la couture de côté et dans le dos au niveau du lassage. J'ai pris de la baleine synthétique qui est légère, facile à couper. Je vous renvoie à ma vidéo sur les bases de la corsetterie pour les différents types de baleines qui sont disponibles actuellement. Petit moment d'émotion. Je vais pouvoir mettre le busque dans le corset. La pose du biais, je l'ai faite comme d'habitude, piquée à la machine sur l'extérieur, puis rabattue à l'intérieur à la main. Le biais est mis. Ça veut dire que je n'ai plus que de la finition à la main à faire. J'ai laissé une ouverture pour mettre et enlever le busque. À cet endroit-là, j'ai juste fait un petit ourlet main roulotté sur les bords. Et voilà, c'était fini. En l'occurrence, j'ai même oublié de filmer la plus grosse partie de la pose du biais. Je suis super contente de ce projet, je me suis vraiment fait plaisir dessus, ça faisait longtemps que j'avais pas juste fait quelque chose comme ça, pour le plaisir, ça faisait aussi longtemps que je m'étais pas attaquée à une nouvelle période. Comme je le disais au début, au final ce corset est extrêmement confortable. J'en suis toute surprise, alors que pourtant j'ai une certaine habitude des corsets, mais là vraiment ça me fait me tenir un petit peu plus droite qu'un t-shirt quoi. Mais sinon, non, je suis vraiment bien dedans quoi. Maintenant, y a plus qu'à faire la tenue qui va par-dessus. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un petit pouce bleu. Si vous voulez me soutenir, vous avez dans la description le lien vers mon Ko-fi, mes boutiques en ligne et les autres endroits où vous pouvez me trouver sur internet. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao!